Bienvenue sur ce tutoriel de recherche. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux hypothèques. Ce formulaire vous permet d'accéder à la documentation hypothécaire antérieure à 1956. Vous trouverez les registres indicateurs des tables alphabétiques, les tables alphabétiques et les répertoires des formalités hypothécaires numérisées. Toutefois, vous ne trouverez pas les registres de transcription hypothécaire consultables seulement en salle de lecture des archives départementales et métropolitaines. La recherche se fait par conservation et bureau et par type de registre. Il existe deux conservations, Lyon, qui se compose de plusieurs bureaux, et Villefranche. Cette liste vous indique les conservations et bureaux concernés. Sélectionnez celui qui vous intéresse. Vous pouvez consulter l'aide à la recherche disponible à gauche du formulaire pour connaître le ressort des bureaux de la conservation des hypothèques de Lyon. Vous pouvez ensuite sélectionner le type de registre. Cette liste vous indique les trois types de registres à consulter avant de pouvoir accéder aux transcriptions elles-mêmes qui ne sont pas numérisées. La clé d'entrée pour consulter la transcription d'un acte est le nom d'une personne ou d'une société. Pour le trouver, reportez-vous dans un premier temps aux tables alphabétiques ou aux registres indicateurs et dans un second temps au répertoire des formalités hypothécaires. Pensez à noter les références du volume et du folio à chaque étape. Pour valider votre recherche, cliquez sur « Rechercher ». Nous voici sur la page des résultats. Il s'affiche par cote et vous pouvez naviguer dans les pages grâce à ces flèches. Vous pouvez affiner votre recherche à l'aide des différents filtres visibles à gauche de l'écran. Le filtre multimédia vous permet de voir s'il y a des images associées à votre requête et de cliquer sur « Images » pour les visualiser. Le filtre période vous permet de préciser les dates des documents recherchés. Enfin, pour ouvrir la visionneuse des médias, cliquez sur l'image. Et pour consulter la notice, cliquez sur le titre en doré. Bonne recherche !